voilà, Drago. Tu le vois? Il est là-haut. Hé, hey, Dan. Hein? Regarde qui est venu me chercher. Hein? Je voyage avec style. Après avoir discuté, Mia et moi avons élaboré un plan détaillé qui, selon nous, facilitera l'arrivée de ce nouveau Bakugan sur Terre. Les plans, c'est ennuyeux. Nous, on n'a pas besoin de plans, pas vrai, Drago? Quoi? Non, j'aimerais bien un plan. Vous voyez, Drago est d'accord. Alors, c'est décidé, pas de plan. On ira le voir quand il aura atterri et on lui dira « Bienvenue sur Terre, tout ira bien ». Dan, c'est pas une fête d'anniversaire surprise. Les Bakugan peuvent être troublés et désorientés quand ils arrivent sur Terre. C'est vrai. Quand je suis arrivée, je me suis battue avec un feu de circulation. Ah ouais, c'est dur la guerre. Regardez, hein? Il est là-bas. On devrait peut-être lui laisser la place pour se déployer. Ou peut-être qu'on peut aussi s'en approcher. Allô? Il y a quelqu'un là-dedans? Oh, un Bakugan dinosaure! Il a l'air sympa! Tu ne l'entends pas grogner? Salut, petit dinosaure! Bienvenue sur la Terre! Oh non! Tu veux un coup de main? Je tiens! Hey, tu pourrais pas regarder où tu balances les dinosaures? Hein? Oh non! Les amis, on a un problème! C'est Chip! Tiens, qu'est-ce que je vois là-bas? Un combat illégal de Bakugan? Vas-y, Drony! Allez chercher! Allez! Chip se dirige vers nous! Il veut sûrement envoyer des combattants derrière les barreaux! Mais ce pauvre Bakugan est surexcité! On doit calmer ce dinosaure! Vous devez absolument nous déployer! Bakugan, au combat! Bakugan, au combat! Oh, mais comment avez-vous fait ça? Ouais, c'est dingue, c'est vraiment incroyable! Hein? Arrêtez de vous battre immédiatement! Que personne ne bouge! Tiens, regardez qui fait un combat dans mon parc! Un combat? On ne se battait pas, puisque c'est illégal, on jouait simplement au croquet! Vous savez, on frappe une balle avec un maillet en bois à travers des cerceaux pour marquer des points, vous ne connaissez pas? Bien sûr que je connais le croquet, mais ce n'était pas à ça que vous jouiez! Eh bien, on peut jouer à un autre sport alors! Vous savez jouer à... dispersion? Je n'ai pas celui-là! Revenez! Ne vous comprenez pas! Quoi? Une motocyclette? Dinosaure, viens avec moi! D'accord! Ronnie, allons-y! Dépêche-toi! Oh, oh, oh! Attends, le feu vert! Le feu vert! Hein? C'est bon, allons-y! Oh, c'est compliqué! Pourquoi on doit courir? Est-ce qu'une force d'intervention d'élite nous poursuit? Ouais, en quelque sorte. Tu crois que tu peux entrer là-dedans? Non, mais je peux essayer! Comme ça, est-ce que ça te va? Qu'est-ce que t'en dis? Drony, je me demande bien où ce Bakugan peut se cacher. C'est ça. Si on l'attrape, on aura droit à une glace. En fait, je mangerai une glace et tu pourras me regarder manger. Qu'en penses-tu? Ce serait bien, non? En plus, tu peux écouter la musique du camion. Je sais que tu l'aimes, cette musique. Tu l'aimes bien, pas vrai? J'ai une idée. Allez, viens, mon grand! Sauvons-nous! Merci de m'avoir sauvé! En plus, cette musique de combat était géniale! C'était une musique normale, mais merci! C'est moi qui l'ai composée! C'est pas vrai! J'aime bien ta musique! Tu sais, t'es plutôt sympa pour un dinosaure! Je m'appelle Trox, et toi aussi tu es gentil, petit humain... humain-enfant! Tu peux m'appeler Griffin! Oh, non! C'est ce truc qui a détraqué mon gentil Drony! Plus de mauvais tours et plus de musique horrible! Non! Allez-y doucement, il vient d'arriver sur Terre! C'est un Bakugan! Ce qui veut dire qu'il est un danger pour tout le monde! Je vais lui montrer quel patron!